Bienvenue dans une nouvelle question du jour et dans un nouveau décor. Vous venez de développer un dispositif de dépollution d'eau contaminée. Vous vous demandez, est-il efficace? Répondre à cette question peut motiver la commercialisation de ce dispositif. Nous utiliserons le test T de Student pour deux échantillons appariés pour répondre. Vous mettez au point un nouveau dispositif de dépollution de cours d'eau contaminés par un certain polluant. Afin de tester son efficacité, vous installez le dispositif sur une trentaine de cours contaminés. Vous mesurez la concentration en polluants en amont et en aval du dispositif. Les données renferment une sorte de dépendance par ligne. Les mêmes cours d'eau sont mesurés avant et après le traitement. On parle d'échantillons appariés. Vous demandez si la moyenne de la concentration du contaminant diminue de manière importante suite au passage de l'eau dans le dispositif. D'après ce graphique en ligne, cela semble être le cas. Vous voyez bien l'idée de dépendance sur ce graphique, chaque ligne représente un cours d'eau. Un point mesuré en aval est lié à la mesure en amont sur le même cours d'eau. Vous intéressez à la tendance globale de la concentration contaminant entre les deux positions. Vous utiliserez le test T de Student pour deux échantillons appariés pour comparer ces deux moyennes. Le résultat permettra peut-être d'appuyer statistiquement la diminution observée sur le graphique. Voici les hypothèses mises en jeu. Hypothèse nulle H0, la concentration moyenne du contaminant reste constante suite au passage de l'eau dans le dispositif. Hypothèse alternative HA, la concentration moyenne du contaminant en amont du dispositif est différente de la concentration moyenne en aval. Passons à l'application dans ExcelStat. Allez dans Test paramétrique. Puis cliquez sur Test T et Z pour deux échantillons. Activez Échantillon appareillé. Dans le champ Échantillon 1, sélectionnez la colonne B. Puis dans le champ Échantillon 2, sélectionnez la colonne C. Cliquez sur OK. Les résultats apparaissent dans une nouvelle feuille Excel. La p-value est extrêmement faible par rapport au seuil de risque alpha de 0,05. Nous pouvons donc rejeter H0 et accepter HA en sachant que nous prenons un risque très faible de nous tromper. Il est intéressant de noter que cette différence de moyenne est estimée à 0,829. L'intervalle de confiance autour de cette estimation permet d'évaluer sa précision. Dans notre cas, l'intervalle de confiance est assez étroit, ce qui reflète une bonne précision. Le test T de Student pour deux échantillons appareillés nous a permis de comparer deux moyennes issues de données renfermant une dépendance. Dans une prochaine question du jour, nous exécuterons un test T pour deux échantillons, indépendants cette fois-ci. Nous comparerons les moyennes de pression systolique de deux groupes de patients soumis à des traitements médicaux différents. À bientôt !